Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à Playroom sur un nouvel épisode de Gros Masquad. On va lire notre courrier. Prenez bien soin de Temi. Salut Bonus Ranger, je ne vous ai jamais vraiment remercié pour avoir sauvé Temi du contrôle du Seigneur Gaga. Je n'aurais pas pu survivre à la perte d'un autre de mes enfants. Ma plus vieille fille a été kidnappée à l'âge de 19 ans par le culte de Gargam. J'ai failli en mourir quand j'ai entendu le mot Gaga. Parce que Gaga, Gargam. Je suis tellement heureuse que Temi soit vivante et combatte à vos côtés. Vous avez prouvé que vous étiez vous-même de vrais héros. Temi a beaucoup de haine pour le Seigneur Gaga dans son cœur. Et je crois que vous pourrez lui montrer le chemin le chemin des vrais héros. Et pas celui de la vengeance, mais celui du pardon et de la paix. La bataille finale est proche. Ne nous laissez pas tomber. C'est un honneur, monsieur Abo. Putain, c'est un beau texte, la vache. Une longue lignée de héros se tient derrière vous maintenant et vous accepte comme les nouveaux champions de la Terre. Tout l'honneur est pour moi. Oh putain, mais il est bon celui-là. Elle est bien cette lettre. Ah bah d'accord, j'ai même pas de réponse en elle, juste un fan. Salut les Mighty Morphin Playroom. Je voulais juste vous dire que vous étiez une inspiration pour beaucoup de monde. Pour suivre ses propres rêves. Je suis l'un d'eux et continuez de combattre. Continuez à faire de votre rêve une réalité qui nous brille dans les yeux, je suis un grand fan. C'est sympa aussi. Je préférais l'autre, mais bon, c'est sympa quand même. Alors, est-ce qu'on a des nouveautés? Non. Tentons notre chance. Ça c'est clair. Aussi, parfait. Merci. Merci d'être passé. On a acheté deux. Voilà. Hop. Parfait, comme ça on a le dernier. Parfait, là aussi. Là il nous manque du silver duct tape. Et là on prendra celle-là aussi. Hop. Me serais-je trompé, voilà. Hop. Beaucoup trop de duct tape. Qu'est-ce qu'il nous fallait d'autre? J'ai complètement zappé. Je suis désolé. Ah oui, du woodboard. Crafting. Parfait. Mecha. Du métal maintenant. Maintenant qu'on a de l'argent, on va en profiter, hein. Parfait, on l'a eu. Ok. Gold duct tape. Parfait. Hop. Donc là on est maximum, là on est maximum, là on est maximum. Il faudrait qu'on ait le maximum ici aussi. Donc pour ça il nous faut de la silver et du woodboard. Alors on a du crafting. Hop. Ah, je me suis planté. Bon, tant pis, c'est pas grave. Parfait. Ok. Il va falloir encore une. La liste est celui-là, hein, oui. Ah, je vais pas en avoir. Je crois que je vais pouvoir par contre le crafter.
doit pouvoir se faire. Voilà. Mecha. Et voilà, on a l'ultime. L'ultime mecha of the dead. Donc en fait, il n'est équipé que d'un bouclier au final. Hein. Au final, le niveau de l'attaque, je m'attendais à mieux aussi. Hein. Je m'attendais à beaucoup mieux. C'est quoi ça? Sword Arm, ça peut être sympa aussi ça. On les fera tous, vous savez quoi, on les fera tous. Et on verra sur le coup. Bon, un petit peu d'action, s'il vous plaît. L'erreur de Green. Green a commencé à travailler sur un projet secret. Et a décidé de voler des matériaux aliens du cérébro. Et faire ça en solo alors qu'on est dans un groupe, peut-être pas la meilleure chose à faire. Battre un ennemi avant le power bonus, gagner en 7 tours, et ensuite 4 mines plus avec un finish move. Pourquoi pas, allons-y. Senshi Sodate Akuma no Taosei. La voilà, ma nouvelle invention est presque prête. Même si c'est pas vraiment même si ça va marcher à tous les coups, on peut au moins essayer. Utiliser ce système devrait nous permettre de propulser notre playmec dans l'espace avec 7 tours de télé. Oh putain. Avec quelques ajustements ici et là, on pourrait même rentrer à la maison. Par contre, piquer ces matériaux aliens du cérébro sans permission me semble assez quelque chose de mal en fait. Mais personne ne comprend ce que je fais. Il dit toujours que je suis un geek entre guillemets. Ce sera bientôt fini et... Attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'approche de la tour? Une bestiole bizarre dans un mecha armé de 6 bras. Je suis Hexapod, le déchireur. Et je vais déchirer tes rêves. Mouah. Tu nous as pris pour des fous mortels. On t'a regardé depuis que tu as mis tes mains sur ces matériaux aliens. La chambre du cerveau était trop sécurisée, mais tu sembles vraiment seul dans cette tour, n'est-ce pas? Mignon, attrapez cet humain maintenant. Je dois protéger mon invention. Le Sinarga sera si heureux de moi, si fier de moi. Je vais aller écrire mon speech de promotion. Moi, amuse-toi bien, Green. Ça devrait être très facile. Voilà. Voilà. Boum, ça prendra. T'as de la chance. Hop. Ça c'est fait. Phew, je l'ai fait. Hé hey, les mignons. Vous êtes en retard pour ma fête de promotion. Quoi? Ah, t'es encore ici. Un héros solitaire ne sera pas un gros problème de toute manière. What? What? Non, tu ne peux pas. Merci pour le matériau alien. A plus. C'est un mec qui déchire, je trouve. Green, ça va bien? Je vais pas la refaire la blague. On a reçu ton SOS de ton gadget et on est venu aussi vite qu'on a pu. Ah, ça va.
Je vais bien, je crois. J'étais... Wouah, qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement, de mes dernières recherches. C'est pas encore fini, mais bon, on y est presque. Mais qu'est-ce que c'est supposé faire exactement? Et qu'est-ce qui est arrivé ici? On t'a attaqué? J'ai eu quelques problèmes, Hexapone s'est montré et... avec quelques-uns de ces petits monstres. Que je n'ai eu aucun problème à battre. Et il a pris le matériau alien que j'avais en ma possession. Tu avais quoi? Wow, tellement d'interruptions. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Le Cérébro devait s'en occuper, devait le garder. Je sais, mais... ça prenait trop de temps et j'avais besoin de ces choses. Et plusieurs choses sont, enfin, plusieurs choses sont arrivées. Créer tout ça m'a permis de me sentir un peu plus utile et... je sais que je peux pas me battre aussi bien que vous, pourtant elle s'est très très bien débrouillée. Green, tu es une partie essentielle des commandes des Bonus Rangers, comme chacun d'entre nous. Tu aurais pu simplement demander pour avoir le matériau alien. Cerebro nous aurait parlé de comment l'utiliser. Seigneur Gaga, là maintenant. Là probablement maintenant. Tu nous as même pas encore dit ce que cette invention était censée faire. Ça a propulsé un autre mec avec la télé, la tour de télé, dans l'espace et on pourra atterrir sur le vaisseau du Seigneur Gaga. Attends, quoi? Depuis que le matériau alien est utilisé par le Seigneur Gaga, on pouvait l'utiliser pour comment localiser son vaisseau. C'est pourquoi il c'est pour ça qu'il nous il était si en colère qu'on nous l'avions. Exactement, Yellow. J'ai découvert ça. J'ai découvert que ces matériaux étaient un mélange de plusieurs composants aliens très rares. Sir Gaga était effrayé qu'on puisse en apprendre des choses dessus et sur la possibilité de le traquer. Donc c'est notre meilleure chance de le rejoindre avant que son plan sur les portails arrive à terme. Oh putain, il y a beaucoup de parlotte. T'as raison, Green. Et maintenant, ça fait, je comprends un peu mieux. Mais on a juste perdu, on vient tout juste de le perdre, le matériau alien. Non, on n'a pas. Hein? J'ai fait une erreur, mais je suis pas un abruti. Je peux traquer le matériel, enfin, le matériau. Si on se dépêche, on peut encore attraper ce monstre. T'es un génie, Green. Allons-y, les Bonus Rangers. Pépépépépé. Il est toujours en dernier. Pourquoi il y a toujours quelqu'un qui est en retard à la fin? Oh, c'était pas vraiment le meilleur moment pour ne plus avoir de bonbons pour la fête. Je suis heureux qu'il y ait encore des sucreries ouvertes sur Terre. Enfin, des boîtes à sucreries. Des magasins de sucreries. Le voilà! Arrête-toi maintenant, voleur! Vous êtes là pour votre soi-disant matériau alien, je suppose. Peut-être que vous voulez rejoindre la fête. Le Seigneur Gaga va sûrement augmenter mon salaire grâce à toi, Green. La seule chose que tu pourras t'acheter avec ton salaire, ce sera les frais d'hôpital, d'hôpitaux. Enfin, ouais, les frais d'hôpital. Hexapod. Détruire 4 mines. Hop. C'est pas ce que je voulais faire. Pourquoi pas? Allez, envoie tes mines. Mais bien sûr. 3.
et 4, parfait. Ah mais c'est génial. Il se téléporte en plus. C'est mieux en mieux. Tant qu'il n'envoie pas green, c'est parfait. Alors, green. J'aimerais que tu ailles là. Que tu fasses un multi-shot. Ça touche que 2. C'est dommage. Pas play. Alors. Parti. Hop là. Parfait. T'apprendras, tiens. Par contre, il a l'air assez solide, le bonhomme. Hein. Combien qu'il a de points de vie? Ah la vache. Et bim! 100, c'est tout! Tiens, bouffe ça! Et bim! Ok, on est bon. Ouh, alors ça par contre, c'est un peu trop, je trouve. C'est un peu trop fort, je pense. Je trouve pas ça honnête comme, comme technique. Je trouve que vous avez vu la distance à laquelle ça a projeté, quoi. Ok, il est juste à côté de nous. Ok, on est bon. Plutôt bien. On met green devant pour la forme. On passe la pause. Voilà. Et bim. Oh, c'est long à exploser. Parfait. Ça prendra. Déploie autant de mines que tu veux. Tant que t'en as pas une autour de toi, c'est parfait. Oh, putain, pile au mauvais endroit, nom de Dieu. C'est pas possible. Ah non, ça devrait le faire. Ah putain, il s'est encore écarté. Black. What? Ça l'a bloqué! Putain, mais si j'avais su, j'aurais... Nom de Dieu! Eh ben non, on va pas bouger, tant pis, on va tous se prendre des dégâts. Et on va tous être ralentis, c'est pas grave. Allez, boum! C'est tout ce que ça fait comme dégâts, vous êtes sérieux? Ah, c'est casse-couille quand il fait ça. On va se mettre là. Putain. Hop. Pas intérêt à te barrer. Ok, on est tous là. Déploie autant de mines que tu veux, y'a pas de soucis. Tant que tu te téléportes pas, c'est parfait.
Ah! Oh le con, il s'est déplacé. Oh putain! Non, j'aimerais prendre green. Hop. On va le shotter un coup. Bim, voilà, ça prendra. Il viendra là de lui-même, de toute manière. Ok. Parfait, allez, ramène tes fesses. Ramène ton popotin, te dis-je. Allez. Oh putain. Tu devrais en poser encore plus. C'est pas comme si elles étaient longues à poser. Et il a pas bougé. Oh le con. M'en fous, je bougerai pas. Ramène tes fesses. What? Mais c'est quoi la portée de ces mines? Forcément, ils lui font zéro dégâts à lui. Pauvre chien! Non! Oh putain! Oui, parce que je présume que c'est un chien. Oh putain! Est-ce qu'il va ramener ses fesses? Ah! 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 Mais non, recule pas! Mais qu'il est con. Bon, toi. Hop! Là. Green, là. Toi, là. Et toi, attention chers amis. Voilà, vous avez vu, ils ont tous leurs armes au-dessus. On l'a pas encore fait ce truc-là. On va le faire. En plus, ils sont sublimes avec leur cap. Voilà. On l'avait pas fait. Ça valait le coup. Chroma Beam, qu'ils appellent ça. Parfait. Je voulais absolument finir comme ça. En plus ça va bien parce que c'est un personnage qui est contre Green, donc Green Technology. C'était pas mal, c'était pas mal. Je suis pas... encore battu. Maintenant vous allez voir mes lames tournoyer. Dans leur vraie taille. On peut pas laisser ça arriver. Allons-y. Tu viens même pas toi. On doit détruire cette grosse chose. Tout notre, à notre playmec, tous à notre playmec. Playmec, activation. Alors. Donc on va voir si on fait plus de dégâts, mais j'ai pas l'impression qu'on en fait plus. Hein. Bim. 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 Je retente ma chance. Bim. Est-ce que je la retente? Raté. J'aurais dû la tenter. J'aurais pas dû la tenter. C'est pas grave. Défense. Défense. Ah. Bim. Et bim. Et rebim. Ça se passe assez bien malgré tout, chers amis. Hein. Allez. Une chance sur deux. Raté. Non, tu ne mourras pas. J'ai dit que tu ne mourrais pas.
Et oui, j'ai une trop grande défense pour lui, même dès que je passe dans le jaune, ça suffit à être parfait. Hey hey! Oh non, oh, je ne te laisserai pas faire. Pourquoi je fais autant de dégâts? Peut-être qu'il était en... Du coup, il avait peut-être un petit peu moins de défense. Je sais pas. Peut-être plus vulnérable quand ils préparent leur attaque. Ça touche. Ça touche aussi là. Raté. Putain. Tu ne m'auras pas. Pour le prestige. Tu ne m'auras pas. Tu ne m'auras pas. Et bim. Et bim. Et bim. Dernier coup. Putain, je m'en doutais que ça allait rater. Je sais pas pourquoi, j'en étais persuadé. Ah mince, je prends des dégâts. Aïe. Bim. Hop. Ça c'est quoi ça? Oh. Boum. Non, on l'utilisera pas. Ah, c'est beau, puis en plus avec la... La foreuse là devant, c'est classe. En plus elle est animée et tout. Alors, est-ce qu'on a une histoire ou pas? Le monde est encore sauvé par les bonus rangers, les vrais héros dont nous avions besoin. Après que la fumée se soit dissipée, les bonus rangers sont retournés à la Mighty Morphin Playroom. Pour parler du projet de l'espace de Green. Encore de la parlotte? Et voilà comment ça marche de manière grossière. Oh, j'ai la tête qui me fait mal. Enfin, j'ai mal à la tête quoi, simplement. Mais même si le système est maintenant complet et semble marcher, je vous dois quand même à tous mes excuses. Vous n'avez pas le droit de chaparder ce matériau et mettre la planète entière en danger. Ces excuses sont acceptées, Green. Il y a le moustachu qui se planque, là, qui prend des photos. Mince, j'ai pas lu du coup. Je vais cliquer dessus comme un con. C'est une grande responsabilité. Mais tant qu'on ne pense pas de manière. Tant qu'on ne pense pas en solo, le pouvoir de notre amitié nous emmènera jusqu'aux étoiles, littéralement. Merci, les amis. Oh, te mets pas à pleurer maintenant. Sinon, moi aussi, je vais pleurer. Qui veut se faire un petit curry? Il y en a qui pense qu'à bouffer. Tout le monde pense à pleurer, l'autre, il pense qu'à bouffer. Parfait. Un petit peu d'argent, un petit peu de fan, ça peut être cool. Alors, les bonus rangers sont le nouveau frais. J'ai toujours pas compris cette expression. Pas de All Hail Marcus cette semaine. Peut-être qu'ils sont en train de refaire les uniformes. Hey, toi, regarde les bonus rangers. J'ai hâte de voir l'épisode de Bonus Ranger après avoir vu la review sur ce dernier épisode. Ok, un petit peu d'argent, un petit peu de machin, un petit peu de bidule. Alerte. Placement de produit. Il n'y a pas un truc genre avec des jouets ou un truc comme ça? Sell Toys, voilà. Ah oui, il y avait ça aussi. Ah, il y avait le principe du film aussi, c'est pas ça? Teaser trailer, ouais voilà ça. Bah tiens, on va prendre ça. Hop. Alors. Ah la vache, il me manque rien.
Est-ce que t'as des nouveautés à acheter? Non. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là, je pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. On peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.